D'octobre. Si vous saviez comme je suis touchée par la mobilisation des Ermontois autour du dépistage du cancer du sein, mais aussi de tous les cancers. Quand on est malade et quand on est aidant, on se sent souvent seul pour affronter les annonces, les soins, les angoisses et j'en passe. Force est de constater que nous nous sentons tous concernés par la maladie, que nous avons été un groupe solidaire pendant ce mois d'octobre, soudés et capables de faire des miracles. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont parlé du cancer, toutes celles et tous ceux qui ont été se faire dépister en octobre, toutes celles et tous ceux qui soutiennent et soutiendront un malade. Suis mes yeux, suis mes mains, suis ma bouche encore tienne. Si la terre et le ciel venaient à me manquer. L'heure est venue de clôturer notre Open World. Mois que nous avons consacré au dépistage du cancer du sein, mais aussi du cancer colorectal, du cancer du col de l'utérus et du cancer de la prostate. Je veux remercier très chaleureusement ma collègue et amie Najat Ben Lamar, qui s'est beaucoup mobilisée et qui a été à la rude épreuve de l'orchestration de cette opération, mais aussi les agents du pôle Solidarité sous la direction de Lucia, que j'ai vu là-bas, voilà, Lucia, que je demande qu'elle veuille bien nous rejoindre, ainsi que tous les professionnels de santé qui se sont mobilisés pour vous proposer des ateliers, des conférences, des animations, et ce, pendant 30 jours, sans discontinuer. Je vous remercie de les applaudir. Je salue également le travail des agents des services des espaces verts. Cher Benoît, si tu peux leur transmettre. Car en effet, tous les ronds-points et les parcs ont été sur le thème. Vous avez vu du rose partout. Je suis ravi que Najat soit le nouvel interlocuteur des médecins et des paramédicaux sur Ermont. Je suis ravi que nous parvenions à les mobiliser autant et surtout après la difficile période qu'ils viennent de subir. Nous avons allumé une petite étincelle dans le collectif médical. Charge à nous, et je ne veux pas te mettre de pression, Najat, de continuer à le faire briller. Lorsque nous avons élaboré le projet, et que nous avons travaillé sur Octobre Rose avec Céline, et puis je lui ai dit, tu sais, ce serait quand même sympa qu'à la fin d'Octobre Rose, il y ait un grand ruban géant qui entoure notre mairie. Elle m'a répondu, fidèle à son image, « Attends, je vais d'abord calculer. » Elle ne laisse rien au hasard. Nous étions quasiment sûrs que vous sauriez relever ce défi. Mais à ce point, quand je dis que les Ermontoises et les Ermontois sont formidables, les gens des fois ne me croient pas. Ils ont qu'à venir voir, regarder cette mobilisation. Je remercie toutes les tricoteuses, les couturières qui ont vu la vie en rose au fil des ateliers. Alors ce ruban a commencé à être posé mercredi car il ne suffisait pas justement de ce fameux coup de baguette magique pour le maintenir autour de la mairie. Il fallait l'accrocher solidement. Il a fallu une nacelle car il restera ici pendant 10 jours, le temps que tous les contributeurs et tous les Ermontois puissent venir l'admirer. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez ensemble, j'entends Maliga qui me dit c'est vrai qu'on a bien rigolé. En plus. Alors vous avez ensemble réalisé ce défi et je vous assure que ça me fait très chaud au cœur. Ce joli ruban, il mesure 120 cm.
120 mètres. Allons, hein. 120 mètres. Pardon, évidemment. 110 carrés ont été tricotés, pardon. 200 carrés assemblés. C'est à peine croyable. Encore tout à l'heure, un carré est arrivé. Alors nous avons décidé, quand je dis nous, c'est surtout Céline, de parer les arbres, l'arlequin, le pigeonnier. Nous sommes aujourd'hui arrivés à plus de 200 mètres, un vrai record. Qu'allons-nous faire l'année prochaine? J'irai donc tout à l'heure accrocher le dernier bout de ruban au plus vieil arbre du parc de la mairie. C'est un symbole. Il veille sur nous et nous allons l'entourer de notre espoir. Mais avant, je voudrais remercier particulièrement Joël, Annie, Valérie, Marcia, Catherine, Claude, Martine, Maude, Attica, Fabienne, Christelle, Armand, Patrice, Dominique, Solange, Elisabeth, Arlette, Denise, Monique, Christine, Geneviève, Colette, Mina, Nadia, Nathalie, Marielle, Laurence, Huguette, marraine-mère, Simone, Josette, Myriam, Armel, Nadège, Florence, Marie-Hélène, Malika, Mathilde, Aurélie, Marguerite, Maureen, Hélène, Eymen, Stéphane, Eddy, Gilles, Nicolas, Najat, Manuela, Virginie, Nicole, Corinne, Françoise, Christelle, Lucia, Patricia, Sophie, Mélanie et aussi tous ceux que j'ai oubliés, toutes les petites fourmis, je vous remercie. J'ai oublié sûrement des petites fourmis, mais je suis sûr que si vous avez tricoté, c'est pas pour être nommé, mais c'est surtout pour participer à cet élan. Je voudrais dédier cette clôture particulièrement à trois personnes. Je voudrais avoir une pensée pour ta maman, de Manu, et aussi pour ma belle-mère, partie trop tôt. Au début de cette opération Octobre Rose, nous avons réuni les médecins. Ils étaient unanimement d'accord sur le fait de dire que le dépistage est très important, mais que la prévention l'est tout autant. Je parle sous contrôle de monsieur le directeur de la clinique, Claude Bernard, qui sourit et qui acquiesce, ça me rassure. L'activité physique est utile avant un cancer, pendant un cancer et après un cancer. Fort de cette étude, nous avons proposé des cours de Madison chaque mardi du mois d'octobre. Vous avez tous appris ces quelques pas de danse grâce à Dominique Mijon qui est là. Je voudrais qu'elle vienne auprès de moi. Bravo. Voilà. Et je veux avant tout, avant de faire tout cela, vous remercier du fond du cœur pour cette formidable mobilisation et de bouger ensemble. C'est gentil. Je vais vous inviter à me suivre, mais sachez, mesdames et messieurs, que ce que nous avons fait pendant un mois est exceptionnel. Ce que nous avons fait pendant un mois est un modèle d'espoir et de solidarité, et l'année prochaine, on ne perd rien pour attendre. Je vous remercie.